voit, hein. Je sais pas bien pourquoi, mais il y a des matins comme ça. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Madame le routier. Madame le routier. Bonjour. Bonjour là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est la gendarmerie routière. Hein ? C'est la gendarmerie routière. Ah, d'accord. C'est la contrôle de pièces. Pas de souci. Très bien. Je pensais que la route était fermée. Voilà. Voilà oui ou voilà non ? Merci, au revoir. Tout d'abord, il y a eu ce contrôle routier, où tout le monde était retenu, sauf nous. J'ai trouvé ça bizarre. C'est vrai que nous sortions de Cancan et que la ville a mauvaise réputation. Le centre de mon petit cerveau, là où se loge le plaisir, a repris basiquement le dessus, grâce à cette superbe piste bien défoncée, en latérite, où nos ténérés semblent infatigables et nous régalent. Et puis, il y a eu ce mec armé. Pourquoi ? Pourquoi pas ? L'amygdale, centre de la peur dans le cerveau, m'a quand même et à nouveau titillé. Ce camion fumant a également fourni pas mal de matière à sa voisine de palier, la paranoïa. Quant à cette traversée de village où un mec venait de se prendre un coup de machette, bouche et abdomen en sang, là ce fut un feu d'artifice intérieur. Ajoute-y ma connerie à vouloir toujours tout comprendre, avec encore cet autre mec armé. Fusil. Pourquoi ? Pour chasser ? Ouais. C'est pas trop ce qu'il chasse, mais à mon avis, t'as deux bras, deux jambes comme moi. Ou encore ce camion qui m'empêche de passer, et là, tu tombes en pleine psychose. L'air de rien, je me suis arrêté pour entamer le sujet avec Amaury. Putain, c'était le super cross de Bercy au début. Et des whoops dans tous les sens. Moi, je croyais que ça ressemblait plutôt à la galinette cendrée, mais... Ah, tu vois que j'avais raison. Ouais. Et j'étais la galinette, hein, qu'on soit clair. Ouais, au moment, les mecs tous des fusils. On passe dans un village, il venait de prendre un coup de machette. Coup de machette sans dans la bouche, tu t'arrêtes et tu demandes à un espèce de ouf qui a le regard complètement dans le vague. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Je te chasse. Les premiers kilomètres, tu sentais qu'il y avait un peu de tension dans le bec, quoi. Tout le monde un flingue, après t'as vu si t'as levé d'un coup, quoi. Ouais. Mais c'est curieux parce que c'est quand même le plus proche de Cancan, c'est ouais, peut-être mais pour ça. Je pense qu'il devait y avoir des tensions ou quoi. T'es vraiment pas loin du Mali, ça se trouve t'as des mecs qui font des descentes. C'est pas possible qu'ils chassent la galinette cendrée. Non, 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 et attends, et t'as vu, ils ont tous les cartouches dans la main. Hein. Oh, c'est avant vous du Nigeria, je pense que le Nigeria ça va être comme ça tous les jours. Ouais, ouais. Il va pas y avoir trop de fun quoi. T'as. Non. On restera sur la route. Ouais, ouais. T'as beau être plutôt du genre zen et confiant, avoir déjà parcouru un bon bout de la planète, tu n'en restes pas moins humain. Le doute peut t'envahir. Told me you don't feel like coming round. Le fait d'en parler nous a permis d'évacuer. Et puis, la Guinée était bel et bien au-dessus de tout ça. Told me you got things going on inside your head. It's not about me, but everything instead. Son incroyable accueil nous a permis de reprendre les fondamentaux de notre voyage. 200 à 400 bornes de piste par jour. Sans oublier de s'arrêter au cœur des villages. Prends la droite, hein. Ah, essaye de passer, non ? Et des traditions qui s'offrent à nous, sans retenue. Des fondamentaux également faits de gaufres, pas à beurre sucre, hein, mais plutôt la terre de poussière. Saupoudré d'une bordée de jurons. Des fondamentaux faits de contrôle routier, toujours bienveillants. Des petits bonheurs que nous tentons de rendre à notre façon et de notre mieux.
your pity. You've seen me crying. I don't need your sympathy since you stopped trying. And I can't see your love has gone. Okay. So please, for me, stop holding on. Il allait où pour ça? Cape Town. On va très très loin. On traverse plusieurs pays. Ouais. Sur la moto comme ça? Ouais, c'est bien. Et merci beaucoup. Pas de soucis. Merci. C'est bon? Vraiment, merci beaucoup. Merci bien. Pas de soucis. Bon voyage. Bon voyage à toi. T'emmènes la chèvre? Tu vas la vendre? Oui. Ça vaut combien? Ça? 300 000. 300 000? Elle a quel âge? Ça? Ouais. 2 ans. 2 ans. Moi, je fais pareil avec les pneus. Quand je transporte un pneu, je rentre dedans comme ça. Bon courage. Bonne route. Tu te rends compte, c'est super salaud. Sans nous, la chèvre, elle aurait peut-être eu sa chance. On aurait pu la libérer. Bah ouais. Finalement, malgré nos appréhensions, c'était plus le jour de la chèvre que le nôtre. On venait d'hypothéquer nos chances de passer la frontière avec la Côte d'Ivoire ce soir, mais on s'en foutait. De toute façon, il y aurait eu cette rivière à franchir. Holiday on Ice. Comme du verglas. Ça bouge pas, bouge pas, bouge pas. Passage, c'est pas possible. Il va falloir qu'on trouve un point de chute rapidement parce que là, ici, la nuit. Ouais. Le temps jouait contre nous. Ah, il y a le drone. Un, deux, trois. Ah. Ah. Ah, t'as vu, c'est un putain de verre là. Ouais. C'est une jacquard, tu veux aller poser quelque chose, tranquille. Faut passer à droite de la pierre, là. Bah ouais, parce que là, c'est trop profond. Ouais. Tu l'auras compris, c'est pas tant la rivière, sa profondeur ou son courant qui m'inquiète, mais les 15 kilos de matos vidéo que je transporte en permanence. 2. Ah oui, c'est pas des slips dans tout ce barda, et tout noyé, ne plus pouvoir filmer, serait catastrophique. 1, 2, 3.
parviendront au village de Karala que bien après la nuit tombée.